Mais ces dames, la famille, la société, tous les amis, frères, accès, compatriotes, moyo, tout un collaborateur qui est connecté dans tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nami quoi, c'est toujours frère, nous, serviteur, nous. Merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là à la Ronde Badé, nous comptons rencontrer. Une autre fois, permettez-moi de remercier, m'a dit merci à tous les amis qui permettent le travail là possible. Amis dans la diaspora, amis dans tout le département pays d'Haïti, sans oublier, amis, frères, accès, collaborateurs en République Dominicaine. Merci pour ce pour nous, merci pour la collaboration. Merci pour choisir nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Nous disons tout le monde bonsoir. Merci parce que nous avons écouté Radio Zilea, Radio Kiskea. Bienvenue dans le dernier paraître journal 4 pour ce maintenant. Jeudi, c'est samedi 14 octobre 2023. Moi, c'est Dodley Aurelius à Gabriel René, dans micro pour présentation journal là. Hollandais Auguste, sous console pour manœuvre technique. Bonsoir Hollandais, bonsoir tout le monde, bonsoir Gabriel. Bonsoir Dodley, bonsoir Hollandais, bonsoir tout le monde. Bon week-end sur Radio Kiskea. Bienvenue dans le dernier paraître journal là pour ce maintenant. Rapidement, mais quelques points bien pour nous développer dans le journal là. Après-midi, plusieurs médias kenyans annoncé hier vendredi, il y a une deuxième mission officielle kenyan qui doit arriver dans le pays à la semaine qui a venu là pour assurer l'exigence diplomatique et juridique qui est respectée avant de prendre tête mission multinationale qui apparaît pour déployer dans le pays d'Haïti. Pour ancien ministre de Justice, Paul Denis, c'est par les Nations Unies, Finbay Akoli, pour mission sa déplotonne, pour Kenya, ta vin fait forme évaluation sa yo. Yon l'autre côté, ancien sénateur Paul Denis, dit pas comprendre comment fait Conseil Sécurité l'ONU en voter yon résolution en faveur yon mission qui passe l'obédience en l'ONU qui pral déplotonne en Haïti. À la tête, Fondation Zilea Edwin Parezo estime autorité dominicaine yo pas capable de réduire, Jean-Louis Abinader annoncé là, quantité haïtien qui a travaillé dans l'agriculture et dans la construction. Vrai, deux secteurs clés pour l'économie pays ça. N'a pas rappelé, Louis Abinader déclaré ce ben ça même, joue travailleur étranger yo compté en République dominicaine. Yon annonce Edwin Parezo dit qui crée un pile panique dans la communauté haïtienne. Faut que nous disions, pile haïtien, continuez à quitter la République dominicaine avec propre volonté pour retourner en Haïti. Matin samedi, plusieurs yo, parmi yo, femmes enceintes et timoun qui accompagnent les parents, traversent les frontières, sortent d'Abon pour entrer ou en Amet. Est-ce que OEA est capable de faire un bon habit dans le conflit entre Haïti et la République dominicaine sur la question canal ou en Amet maintenant? Réponse lancée non pour professeur Ansi Pierre qui t'a réagi sous demande République dominicaine pour le voyer ou OEA voyer une commission évaluation travail et à regarder qui Jean travail canal là a avancé alors que rien pas dit sous 10 prises dominicaines au gagnent sous même rivière massacre à l'autre bord frontière pour professeur université a c'est CARICOM d'après lui qui t'a avec Vatican qui t'a doué jouer rôle si là. Jeudi samedi 14 octobre, là, fait 30 l'année depuis qu'on a assassiné M. Guy Malari, ministre de Justice et Sécurité publique, pouvoir en exil, Aristide Malvalla. C'était 14 octobre 1993 et puis demain dimanche 15 octobre, là, pral fait 29 l'année depuis soldat américain te retourné avec ancien président Jean-Bertrand Aristide, yon acteur dans l'époque là et docteur Dunois Eric Cantave analysé événement ça yo. Dans mes co-collaborateurs, nous Bito Vincent François Fils. Nous avons bientôt pour nous écouter analyse ancien député Gonaïve Sadak Dieudonné et Dr Ricardo Augustin, ancien conseiller électoral, sous conjonctive politique. Là. 20 signatures veilleuses du calvaire avec nouveau écrit du pays loc, c'est deux titres, ouvrage Sayo, écrivain Lionel Trouillot-Sien, jeudi samedi 14 octobre, dans la librairie La Pléiade Pétionville, écrivain de l'insatisfait pour acteur public là, pour accueil public là. N'a bien actualité internationale là pour nous parler de situation qui a développé entre Palestine avec Israël côté Gaza oui habitant Gaza yo t'a couri quitter et zone là pour aller vers le sud pendant la France mandé pour l'ouvrir un couloir humanitaire. Hezbollah libanais acclamé israélien continue à faire gros échange coup d'âme sur toute frontière sud dans Liban. Deux parties voyez jeter responsabilité l'amour journaliste reporter d'image en routeuse là Issam Abdallah qui enterré jeudi samedi à la ville natale qui c'est ville Kiam.
gagné un plaisir centaines de monde qui était manifesté à Paris. C'était des monde qui a soutenu cause palestinienne. Non, ils ont manifesté à Paris malgré interdiction préfecture là. Un jour après attentat islamiste qui fait dans petite ville qui relait Arraslan dans la France a vivre dans gros caisse sauté devant menace pour ta gagner un autre attentat. Et c'est dans contexte ça Gabriel musée Louvre à Versailles ont été évacués après plusieurs alertes dans un contexte urgence attentat. Et puis ministre intérieur français Gérald Darmanin fait connaître il recevoir autorisation président Emmanuel Macron pour reprendre discussion yo avec autorité russe pour pousser d'yo qui représentait un danger sur territoire français après attentat hier qui la causion professeur l'école perdit la ville. Était branché point ça avec plusieurs autres pour faire essentiel journal l'après-midi on prend une pause n'a tourné. Et notre studio n'a pas l'ouvrir journal là avec situation qui t'a développé dans Belader côté te gagné gros tension mais faut on dit situation retourner dans normalie après gros tension qui t'a gagné dans ville Belader hier vendredi a après incident qui est arrivé hier côté deux policiers t'a impliqué et impliqué dans incident ça yo yon fillette prend balle dans ventre li opéré jodi a et li paraît pas en danger. Il continue à recevoir soin à l'hôpital. Tu as en pile route qui était bloquée hier à cause d'incident ça. Agent intérimaire dans mairie Belader Marc Evans Saint-Jean-Baptiste, il confirmé situation retournée dans normale après réunion qui était faite sous dossier ça bon côté autorité diverses autorités dans ville. Il était parlé avec collaborateur nous Hervé Noël n'a côté. Il y a une équipe policier qui t'a sorti au cap, je crois, qui t'a venu prendre service dans la base Polifonte Belader. Avant même que vous rentrez dans la ville, il a semblé qu'il y ait des motos qui croisaient, qui tiraient en cartouche, ils ont même riposté. Dans la riposte, dans l'échange, il semblait qu'il y ait une fillette qui prend en cartouche. On y a, et monsieur, il est rentré dans la base. Et on est dans la base qui fait cachement, on vient de traverser la ville de la voile sous frontière. Après, tout de suite après, la population qui était en colère, ils étaient venus masser devant la base sur les fonctions, ils ont pris un pile roche sous base là, et la base a déposé avec des gaz lacrymogènes. Et on temps après, calme, c'est retourné. Qui est à santé, Fiatsa qui prend balle là? Qui est à santé, Lekounia? Bon, il est à santé plus ou moins stable parce qu'il est en opéré et opération est réussi. Il va parler, Kounia va parler, et pour selon le docteur, il dit que le fiat là est hors de danger. Qui va prendre balle là? D'après l'information que j'ai dans la vente, au niveau de vente, il y a balle là, il traverse, il prend la vente, il saute. Mais moun ça a quitté croisé, et motocycliste ça a quitté croisé devant les policiers, c'est pour quelle raison? Bon, et vous connaissez comment la situation est, surtout au niveau de Bablado Central, depuis que les bandits de Finantri sous l'eau sont devenus mis en balai. Donc, nous avons des brigades de vigilance qui ont suivi les zones aux jeunes en ville côté aux jeunes barricades. Et donc, c'est dans le contexte là, et Motosayo, l'assemblée croisée, les gars, parce qu'ils étaient en civil. Et pas qu'on est, c'est des polices sécurité. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'ils viennent faire que il y a tout dérapage. Comment la situation est actuellement dans Belader après ce qui est passé hier là? La situation est calme. Depuis hier soir, il y a une rencontre qui était faite entre Polifont avec quelques membres notables dans la population. Et tout de suite après la rencontre là, tout le bagage était calme jusqu'à présent. Non, sur l'autre côté, déclaration agent intérimaire dans mairie Belader, Marc Evans Saint-Jean-Baptiste, qui confirmé situation en retourné dans normalité, journée samedi 14 octobre, après gros tension qui était gagnée dans la ville Belader hier vendredi. Côté, dans un incident qui impliqué quelques policiers civils et quelques monde qui t'ont veillé barricade, gagné un petit fillette qui prend balle, dans la vente, li opéré jodi et Jouli pas en danger. D'après ça, Marc Evans Saint-Jean-Baptiste a confirmé pour le dire situation retourner non normale.
Il y a ancien ministre en justice et sécurité publique, Paul Denis, qui a réagi sous délégation Mission Kenya, qui a dû arriver dans le pays à partir semaine prochaine, semaine qui a venu là. Dit, il pas comprendre comment le Conseil de sécurité des Nations Unies voté pour ratifier une mission non onusienne pour venir dans le pays. Dans une interview de Bay Radio Kiskeya, jeudi samedi, dirigeant Unifosla estimé qu'Abrit fin passé après ça n'a pris les fermes barrières. Parce qu'elle parle comment c'est après votre Conseil de sécurité des Nations Unies pour autorité pour garder Nati mission. Est-ce que les conforme avec principe juridique et diplomatique? Nan sa ki gen awe ak chirepit ki ta genyen ant HCTA ak premier ministre de facto a Ariel Henry, ancien ministre justice ak sécurité publique la Paul Denis estime face ak dimension crise peyi a trouvé le jounen jodi an, li important pour premier ministre de facto a Ariel Henry chèche yon solution ak tout force vive nation. An koute déclaration ancien ministre justice ak sécurité publique Paul Denis Namiko, Vladimir Maurice Ridoré. En fait, il n'y a pas un conflit haïtien-dominicain. Et il y a un problème chez les Dominicains, comme je dis chez les Dominicains, par l'ensemble, non pas l'ensemble des Dominicains, et mais gagner deux groupes de secteurs en République dominicaine traditionnellement anti-haïtiens. Et je l'ai regardé, Luis Abinader, l'actuel président, ouais, monsieur, c'est Youn, anti-haïtien et raciste. Alors, problème qui posait la journée jeudi à la noix, comment, fort de ses préjugés, il a compris que il était capable de faire ça vrai, que Haïti faible, et le moment de faiblesse, il était foncé sous Syrie, on pourrait nous parler fort, et puis il était capable, on pourrait nous faire ça vrai, naturellement. Heureusement d'ailleurs, la population haïtienne campait pour résister devant Mkadi et l'arrogance du président Luis Abinader. Je vois que le gouvernement, même si c'est ça a pris du temps, en tout cas le gouvernement prend une position qui rencontrait position population. Naturellement, on devrait profiter de cette occasion. On devrait profiter de cette occasion pour mobiliser la population sur un ensemble de problèmes, notamment la question de la sécurité alimentaire. Naturellement, la question de notre dépendance pour un ensemble de bagailles et de la République dominicaine. On doit penser, nous devons penser à l'autonomie de ce pays. Et lorsque Abinader, qui a des comportements sales, gagnant là, le peuple haïtien n'a pas un problème non avec la Dominicaine, avec le peuple dominicain. Si avec un peu d'intelligence, n'importe qui nous, que vous haïtien, que vous dominicain, faut qu'à comprendre, sous un minimum d'intelligence, que ces deux pays devraient faire de leur mieux pour que ils vivent des relations, on prenne le plus harmonieuse que possible. L'antimo sautait ça. Il n'y a pas de place pour Youn faire la guerre avec l'autre. On a comme petit pays qui gagne des problèmes. Nous avons des problèmes communs. Naturellement, nous-mêmes Haïti, des années de mauvaise gouvernance qui ont trop duré, Youn mettait nos situations de faiblesse, Youn mettait nos situations de dénouement, qui fait que nous, tout le temps, nous avons des gens dans le pays qui va chercher la moindre occasion pour jamais frontière pour aller chercher la vie. Même si Mkadi, son société globalement qui est anti-haïtien. Moi, je dis et je répète, tous les Dominicains ne sont pas anti-haïtiens. Et nous-mêmes, de face à ce anti-haïtianisme manifesté, exprimé par Luis Abinader, nous-mêmes, faut toujours, on va garder sans froid, nous, et disposer et disponible pour nous dialoguer avec les Dominicains lorsqu'ils ont un problème qui posait et pour nous joindre une solution qui allait dans l'intérêt des deux pays, des deux peuple. Luis Abinader, c'est un crétin arrogant qui comprenne avec la force qu'il a fait n'importe quoi, mais il se trompe. Vous avez écouté déclaration ancien ministre justice et sécurité publique, là, Paul Denis, lui-même qui t'a réagi sous délégation mission Kenya qui t'a dû arriver dans le pays à partir de semaine qui a venu là. Et lui dit, il pas comprendre comment le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté pour ratifier une mission non onusienne pour venir dans le pays. Elle était tout profité par les tout dans ça qui concernait le comportement raciste président dominicain Luis Abinader. Qui pensait t'a capable profiter crise Haïti à traverser là pour t'a capable dominer pays à Jean Livlé. Toujours dans ça qui est avec relation entre Haïti et République dominicaine.
concernant offensive président Luis Abinader fait sous dossier migratoire contre présence en masse travail haïtien yo et Edwin Parizon qui a dirigé fondation Zile li estime la impossible pour autorité dominicaine yo jwenn une formule pour remplacer main d'œuvre haïtienne qui vraiment important pour pays ça notamment dans secteur agriculture ak nan secteur construction dans une interview li bay radio kiski a jeunesse samedi Edwin Parizon rappelé dossier ça yo plus vini pour faire gros titre dans la presse au lieu de river fait vrai li rappelé ça gagné plusieurs dizaines l'année yo té annoncé yo pral faire yo pral couper canne avec machine yo pral mécaniser secteur ça mais yo poko jam ka arrivé faire le vrai alors que y a parlé pour mécaniser tout secteur agricole la net pour diminuer dans expression qui plus simple présence haïtienne n'a coûté déclaration à la tête fondation Zilia Edwin n'a pas raison qu'a parlé dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Toutefois, c'est une annonce qui quand même créé certaines inquiétudes dans la communauté haïtienne. Il y a concrétisé. Et vu qu'il est important pour que depuis que nous sommes en République dominicaine en 1983, en tant qu'étudiant dans un séminaire anglican, nous tendons à parler de mécanisation de la coupe de la canne. Donc, il y a plusieurs gros séminaires qui font sous ça. Et on dit qu'il y a plusieurs tentatives même qui font, mais il n'y a pas arrivé, pratiquement 40 ans après, mécaniser coupe de la canne, qui sont secteurs bien déterminés. Voir où il y a là, pour vous t'a dit, qu'il y a mécanisé les différents secteurs qui utilisent de façon intensive la main de haïtienne. Il y a deux secteurs clés dans l'économie dominicaine qui utilisent la main de haïtienne et ils utilisent un paquet de travailleurs, l'agro-industrie et l'industrie de la construction. Nous parlons de construction, nous avons les grands projets gouvernementaux, nous avons le secteur privé, nous avons l'hôtellerie. Développement hôtelier qu'a fait en République dominicaine dans différents pôles touristiques. Donc, planifier mécanisation dans le secteur SAIO a pris un temps. Bon, façon que nous-mêmes nous interprétons que les jours sont comptés pour les travailleurs immigrants, eh bien, nous d'accord sur lui. Et on dit que lui rentrer dans le cadre en planification qui peut aller prendre des années. En fait, lui impossible pour nous dire que dans l'immédiat, il est capable de substituer la main-d'œuvre, main-d'œuvre haïtienne particulièrement dans différents domaines. Donc là, analyse, il y a parlé de. C'est des grands titres, c'est des déclarations qu'ont fait les grands titres des journaux, mais que dans la pratique, et nous ne sommes pas capables de comprendre, ou pour le moins, et autorité, ou pour annoncer qui ça va le faire, ou ils sont capables de concrétiser le projet ça. Bon, d'un autre côté, il faut qu'on reconnaisse que la question haïtienne fait partie du débat politique dans le cadre de campagne électorale, même le campagne pour formellement commencer, mais il est un fait que tout le monde en campagne, les principaux candidats, et ou bien trois principaux candidats, d'un côté le président de la République et bien cap essayer et briguer un deuxième mandat, et nous avons d'un autre côté l'ancien président de la République dominicaine, Lionel Fernandez, et qui lui-même était passé sous pouvoir déjà en trois occasions et qui a passé briguer un quatrième mandat. Et puis nous gagnons, on t'a dit, même le son politicien et de carrière, il était ancien président, chambre des députés, donc il participait dans mon parti politique de façon active. Et c'est Abel Martinez qui est magistrat de la ville de Santiago, mais quand même, dans la course présidentielle, ils sont nouveaux venus. Et sondage jusqu'à présent, et Bali en troisième position, très éloigné de
favori, hein, jusqu'à présent favori, hein, c'est le président de la République. Donc, y a tous les trois, et y a touché question haïtienne, hein, et nous t'avons dit de façon globale, leur touché question haïtienne, hein, et y a pas touché de la façon la plus positive possible. Hein, y a plus touché à partir de crise que nous vivons en Haïti, hein, et ce qui, pour eux, les trois candidats, aurait des répercussions négatives sur la République dominicaine. Non, on tape côté déclaration à la tête fondation Zilea Edwin Paraison qui t'a parlé de annonce chef l'État dominicain. En fait, nous sommes venus parler de ça hier, Gabriel, côté monsieur dit, Libral prend des mesures pour que les réduit considérablement à sa plus simple expression, dans l'expression qui plus simple, présence main-d'œuvre haïtienne dans le secteur, tant que l'agriculture à la construction. À la tête fondation Zilea souligné annonçage on dit là il crée gros panique dans communauté haïtienne et d'une par raison estimé li important pour ta gagner un programme assistance pour supporter compatriotes nous yo si toutefois République dominicaine t'a passé à l'action par rapport à annonçage dans campé travailleurs haïtiens yo en côté une autre fois encore à la tête fondation Zilea et d'une par raison toujours dans micro Vladimir Maurice Kidoré. Toutefois, c'est une annonce qui quand même crée certaines inquiétudes dans la communauté haïtienne. Là, il y a concrétisé. Et vu qu'il est important pour que le monde qui parle perd du job, c'est comme la technification, la robotisation dans ces industries à l'étranger. Mais le monde qui parle perd du job, il faut bien des programmes d'accompagnement, il faut nous voir. Et comment il y a pu relocaliser le monde dans d'autres domaines. Et on a parlé de quand même, il y a une main-d'œuvre haïtienne et qui supporte le pays, hein, qui accompagne la population dominicaine, la classe travailleuse dominicaine, dans le fait développement urbanistique que le pays a connu aujourd'hui à la. Il y a même parlé de Team York, le reprendre zone. Et métropolitaine de Santo Domingo, eh bien, ancien président Lionel Fernandez, c'était le Team New York. Team New York, ça, c'est mais de la haïtienne qui construit. Et pas un bloc qui pose un building en République dominicaine pour que, pas bien, on met haïtienne qui t'a posé bloc ça pendant les 30-40 dernières années. Donc, en reconnaissance à contribution de l'Union, de contribution travailleur à l'évolution urbanistique de la République dominicaine, ben c'est que le temps important pour que vous commencez à penser tout à des programmes d'assistance sociale pour les quantités de travailleurs qui ont perdu du job et si effectivement mécanisation y arrive concrétisée. Ou tap côté déclaration à la tête fondation Zilea lui-même qui soulignait annonce président dominicain Luis Abinader fait et pour lui diminuer main d'œuvre haïtien sous marché la Kailia côté que nous connaît le pral réduire quantité monde qui travaille soit dans agriculture ou bien dans construction donc à la tête fondation Zilea fait connaît annonce ça lui créer gros panique dans communauté haïtienne faut que nous si décision ça pas tadoué et de les interpeller dirigeant par boy situ comme moun qui connaît yo gon peuple pour yo prendre soin pour ta fait tout ça yo connaît pour décision Abinader là pas ta capable et ba nous qu'est cassé parce que nan la kayo nous planter banane nous planter nous travail dans champ yo nous lever bout bloc nous fait tout bien alors que la caille pas nous pas décider faire yo nal faire yo dehors qui ça fait et c'est pas travail qui pas gagné alors c'est justement là oui problème Abinader là vienne poser parce que rendre compte rouser plein mariba ou en pral bail possibilité avec un pile agriculteur haïtien la y a touché justement il a touché deux fois d'abord en pile travail qui était qu'on a fait au niveau République dominicaine notamment sur frontière dans travail agricole puis fort dans yo c'est haïtien qui a fait yo et puis les produits les récoltes l'arrivé qui côté au voyer venir encore c'est en Haïti voilà. Donc qu'on a c'est haïtien yo travail la caillou donc non seulement yo pas pral bayo main d'œuvre ça et puis tout yo pas besoin toute quantité produit ça yo donc il a diminué considérablement dépendance yo
par rapport à la République dominicaine. Et justement, dossier Haïti à la République dominicaine qui est une actualité, c'est pratiquement un dossier sérieux. Dossier Kenya, dossier Haïti à la République dominicaine qui est une actualité dans le dernier temps sérieux. Et dans une session extraordinaire, nous sommes fait sous crise entre Haïti et la République dominicaine, dans le conseil permanent OEA semaine ça. République dominicaine mandé OEA pour le voyer en commission, vin founi je gade. Canal haïtien yo a construit, est-ce qu'il respecte les normes yo et sous rivière massacre là. Alors que même yo gagne 11 brises sous même rivière ça. Et yo dit, est-ce que OEA c'est meilleur médiateur, moun qui a joué rôle mitan jouette entre Haïti et République dominicaine pour résoudre ça? Eh bien, pour professeur Ansi Pierre, réponse là c'est non. Réponse là c'est non. Il fait qu'on est OEA, pas un bon médiateur qui a fait une médiation avec tout dépassement sa mandé pour positionner sous crise entre Haïti et la République dominicaine.